Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une courte vidéo pour vous parler des items que vous pouvez utiliser pour entraîner vos élèves pour le test de positionnement. Et donc, je vous mettrai les références sous la vidéo et vous verrez que vous y trouverez des liens vers des ressources que vous pouvez travailler avec les élèves. Donc, il y a d'abord une vidéo qui présente les items aux élèves. Et puis ensuite, il y a une présentation interactive avec les élèves. Et enfin, il y a des documents dans lesquels il y a environ 60 pages de QCM, d'items, que vous pouvez travailler avec les élèves, vous leur donner comme exemple si vous le souhaitez. Et donc, ces trois documents où vous trouverez de nombreux items classés A1, A2, B1, en compréhension orale, en compréhension écrite, en grammaire et en lexique. Et donc, il faut aller dans « Documents à télécharger », « Quelle stratégie en compréhension orale ?»« Quelle stratégie en compréhension écrite ?»« Quelle stratégie en grammaire et lexique ?» Vous téléchargez sur votre ordinateur les documents et vous verrez, vous avez beaucoup d'exemples de QCM que vous pouvez travailler avec les élèves avant de faire passer le test de positionnement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.